Bonjour les enfants. Bonjour les enfants. Alors si vous voulez faire un petit coucou à TJ Savanier, c'est le moment. On fait coucou à TJ. Bonjour. Ça va? Ça va. Bon, alors, ton devoir aujourd'hui n'est pas très compliqué. Tu as sous les yeux les 10 questions que nous allons poser. Ouais. Et je t'invite donc à poser la première. Alors, en quelle année le club a été créé? C'est Milan. Milan, est-ce que tu m'entends? 1974. Bravo Milan, 1974, bien joué. T'étais pas né toi en 1974? Non, j'étais pas encore là, non. Bah, tu étais peut-être en conception. C'est ça. Voilà, 1974, personne n'était né parmi vous, bien entendu. C'est la date de création du club. Bonjour. À quelle année as-tu commencé le foot? 2010, je crois. Mmh. Ouais, c'était en 2010 avec Arles Avignon. Timothée, merci, bravo. Est-ce que tu as une question à poser à TJ? Oui. Ah. Comment tu t'entraînes? Alors, on s'entraîne dur, c'est compliqué. Mais le plus important, c'est de surtout rigoler aux entraînements. Du monde. Pour moi, c'était Zinedine Zidane. C'est ton modèle, non? Ouais, franchement. C'est ça. D'accord. Mais je crois. J'essaie un peu de lui ressembler, mais c'est compliqué. Alors, je crois savoir, TJ, que d'ailleurs, vous avez plusieurs maillots. Hein. Il y a le maillot à l'extérieur, le maillot à domicile. Il y a le maillot blanc. On a le blanc à l'extérieur aussi. À l'extérieur. Ouais. Et on a le maillot orange aussi à l'extérieur que on portera ce week-end, je pense. Ouais. D'accord. Il est bien le. Ah, ben c'est voilà. C'est ça. C'est celui-là. Voilà, ça porte bonheur, c'est l'orange. Hein. Ah, l'orange, on est pas mal avec. Quoi. Est-ce que tu comptes rester à Montpellier? Oui, je compte rester à Montpellier. Oui, je suis bien ici, je suis chez moi et voilà, on va essayer de continuer notre aventure ici. Vais-je donner la parole? Attention, la mascotte, comment s'appelle la mascotte? Victor, lève la main là-bas. Attention, Victor, on t'écoute. Paya Dino. Quel était votre plus beau souvenir? Ah, TJ. Il doit y en avoir déjà en tête. Mon plus beau souvenir, c'est mon premier but avec le Montpellier Hérault, la 74e. Ethan, il est où? C'est Camara. Oui, c'est Camara. Oui, c'est Souleymane Camara. Souleymane Camara qui a porté 430 fois le maillot du MHSC. 433 fois. Oui. Ah, il est calé, lui. Il est calé. Lui, à mon avis, le papa doit avoir tous les albums Panini depuis 20 ans. Comme j'ai dit, c'est un mec en or. Un vrai chasseur de but aussi. Hein, ouais, voilà. Il est toujours bien placé. Le gardien, il relâche le ballon. Il est toujours là. Et c'est très important. Alors, avant le match, dans les vestiaires, j'ai des écouteurs. Et j'écoute souvent des musiques gitanes, en fait. Voilà. C'est mon petit rituel et c'est ce que je fais à chaque fois avant les matchs. TJ, est-ce que tu viens toujours à des matchs avec ton Non, là il y a un petit moment qu'on n'est pas venu avec. On sait plus trop où il est. Il faut le retrouver et quand on le va retrouver, ben on viendra avec. Avec qui tu t'entends le mieux? Avec qui tu t'entends le mieux? Ça c'est pas compliqué. Avec Andy, je pense qu'avec Andy, voilà, Andy c'est comme mon frère ici, c'est pas un joueur comme les autres, c'est un frère pour moi. Et mais après franchement on s'entend tous bien, on a un bon groupe et je pense que c'est ce qui va faire la différence. On va devoir se quitter, on vous remercie encore une fois beaucoup à toutes et à tous d'être venus, on vous salue. C'était vachement sympa de vous avoir. Merci. Merci, au revoir.